Salut à tous, c'est Mr Freeze et on se retrouve pour la suite de Suikoden 2. Donc on va aller à Muse pour la deuxième fois. Mais cette fois on allait laisser passer. Ah, parce qu'ils ont qu'un laissez-passer et les gardes risquent de les connaître, donc bon. Voilà. Elle te casse une chance sur 300 de marcher si le garde est con et bourré, c'est. Moi. N'importe quoi, toi. Trop con, c'est. C'est obligé, hein, ça. Quelle que soit la réponse. Un truc trop con. Illogique. Ils sont cons, ils nous laissent rentrer. Oh non. Trop nul. Grave. L'autre, elle arrive. Ah bah putain. Faut mettre le crabe avant. Alors. Trop con. Enfin bref, on a réussi à rentrer. Donc on va voir là celui. C'est romantique. Et là il se transforme en loup-garou. Il déchire tout le monde. Ouais, attends un peu de voir la suite. Dragon de l'espoir.
C'est un sentimental, hein, Warwick. Hein. Ah, mais ils ont réussi à lui donner une personnalité de. Enfin, bien travaillé, quoi. Ah, l'ours il est en chocolat ou quoi là, putain? Il est trop mal fait. Yeah. Le coup du lapin. Non, je déconne. C'est bâtard. On était dans une vieille cellule de merde. Ils ont dû se bourrer la gueule toute la nuit. Bah, genre. Vous paraissez plus dur endurci. Il dit ça comme si c'était lui il y a 2 ans quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on changeait depuis mais. Creva. Ah, rien du tout, donc. Donc la première chose à faire absolument. Enfin, c'est pas obligé pour le scénario, mais c'est indispensable si vous voulez avoir tous les persos. Faut absolument passer par là. Et si vous passez pas par là maintenant, et ben vous aurez jamais le perso. C'est pas elle le perso. Donc lui c'est Clive. Le gars qui aime pas trop se mettre à faire d'autres dons, je. S'il te plaît. J'ai con. Donc on va aller je vais baisser le son parce que ça me défonce les oreilles. Voilà. Alors je vais aller dans l'OBE. Merde, comment qu'on fait? En fait, je cherche le moyen de changer de perso. Ah bah voilà. Bon alors, j'essaye de, en fait, de faire en sorte que tout le monde puisse, enfin, ait le temps de lire. Si vous n'allez pas faire pause à chaque minute de dialogue, hein, ça massacrerait un peu le musique. Ok, la garde de Kika. C'est pas moyen. Ah bah non. Bon bah bon, on peut pas encore changer les persos. De toute façon, je crois pas que... Ouais, voilà. Ils nous accompagnent pas, mais pas pour l'instant. On va rester avec les 3 persos principaux. Là, vu qu'on a un petit peu d'or, on va quand même se faire quelques petits trucs. Je vous coûte. Non, je sais pas. On va améliorer les armes. Alors. Où est-ce? Ça, c'est un truc pour les runes. Alors.
dans la bouche. Attaque tous les membres, après quoi DP? Après DP, ouais. Vu les abréviations. On va le mettre, attends, c'est là. Ah, elle a des trucs en plus. Objet rare. Oh, furie. Ça, c'est un truc de fou, ça te fait tout courant des dégâts supplémentaires. Puissance contre les groupes, support sur le match. Attaquement, tu pourrais pas de main. Et. Ça, on s'en fout. J'espère qu'il n'y a pas autre chose là. Tu vas tirer. Bon, ça se fait. Et on va aller vers le forgeron si je le retrouve. Ce qui serait pas mal. Putain, mais il est où, c'est pas possible. En plus, c'est le vendeur d'objets. Ok, l'auberge, le bar. Le machin. Il doit être là, non? Voilà. On peut incruster certains des... On transforme une rune haut sur nous, ça nous apprend une magie d'eau. Et si on les met sur une épée, ben ça le... Ça régénère des... Bon, c'est un peu rien, ça. Quoi. Alors. Point. Salut à tous, c'est Duck, c'est Duffy Duck. Donc c'est minable, je l'avoue. Alors bon, ben ouais, attendez, des armures peut-être. Bon, je traîne un peu en ville, hein, mais passage obligé, je vais tout RPG. Voilà. J'ai tout, du bois de cagette au bois de... Bon. Armure de cuivre. Chapeau pointu. 1200. Allez. Voilà, donc on peut les équiper directement quand on les achète, ce qui est sympa. Et du coup, ben, revendre l'autre. Ou le remettre dans notre sac. Voilà, maintenant tu puis. Voilà. Gauntlet. Ça ira comme ça, hein. On en aura plus tard, de toute façon, des armes. Voilà. Donc là maintenant faut aller à l'hôtel de ville. On va rencontrer une personne très importante. Merde. Je voulais me balader, mais je pourrais pas. Oh.
Alors c'est une personne importante, elle, hein. Ça me fait pas dire. Comment être un fou? Ouais, c'est moi le bonhomme de neige. Il est con. Toi con. Un sous-estime là. Ah, elle le connaît. Vous allez voir qu'elle est assez au courant de tout. Vous voyez. Et ouais. Voilà. Il est sérieux. Donc on va pas retourner dans son bureau non plus. Non mais, d'accord. Alors, à partir de là. Je dois même pas me sortir de la bibliothèque, je suis dans la merde. Alors je sais pas si je vous laisse tout de suite ou pas. Il va pas se mettre à laguer ce putain de jeu. Voilà. Voilà, exactement. Putain, mais elle, heureusement qu'elle reste là. Voilà.
Donc à partir de là, on va retourner à la caverne. La taverne, pardon. Non, excusez, habitude de Yeti. Donc la taverne, la taverne. Et là, si on quitte la ville, elle va nous reparler, Elsa. Une petite scène avec Clive. Donc Clive, c'est un perso, bien sûr, qui n'est pas obligatoire. Il faut faire ça pour l'avoir, absolument. Et il y a une super quête avec lui, mais super chiante aussi. J'en parlerai plus tard. Voilà, je m'attendais pas à le voir maintenant. Parce qu'en fait j'ai oublié de tourner avant. Voilà, ça c'est la première étape pour la quête de Clive qu'il faut absolument faire. Enfin, la première étape qu'il faut absolument faire, hein. Pas la quête de Clive. Enfin, je vous parlerai de la quête de Clive à la prochaine vidéo. En même temps, on est obligé de le faire en fait. Hein. C'est un peu comme Golden Sun. Les réponses qu'on donne changent pas grand chose, hein, sauf à la fin. Voilà, et là on va se prendre 3 persos. Donc on va prendre des persos ben, qu'on a pas pris la dernière fois, hein, ça sera mieux. Donc bon, on va prendre Sai. Parce que c'est un bourrin. C'est un lancier. Hein. Alors, Anna. Bon, on va regarder les niveaux aussi, 15, 7, ouais, putain. C'est comme ça que je me repère si je les ai déjà pris il y a pas longtemps ou pas. Donc on part Shiro. Senza, Gingen, Akinson. Ouais, je prends Zabza, Shiro. Shiro il fait des gros dégâts, hein. Je crois qu'il fait des doubles dégâts aussi. Allez. On va mettre l'essai devant. Ok, merci. Donc moi je vais me soigner tout ça hors vidéo et puis je vous retrouve devant la sortie de la ville vers le nord à la prochaine vidéo. Donc je vous dis merci de regarder mes vidéos, laissez des commentaires si vous voulez, des notes si vous voulez aussi, et mangez si vous voulez. Et puis à plus.